Tu souffres de quoi? Tu as tout. Mieux de toi, tu connais même là où ton mari part. Tu vois même le genre. Et pourtant, toi-même là, tu n'es pas bien sérieuse, hein, ma mère. Qu'est-ce que je ne te donne pas en attendant? Non, laissons que qu'est-ce que tu ne me donnes pas. Mais quand je fais seulement que j'ai envie de te voir et que je ne parviens pas à te voir, il faudrait que tu voles les pistes à la maison pour venir me rendre. Mais ce n'est pas normal. Je suis le mari d'autrui, non? C'est vrai que s'il fallait recommencer dans la vie en arrière, je t'aurais choisi. Tu es dans les sex choses. Les choses sèches. Il n'y a pas de retard au moment là. Bon, tout va bien. Réveille-toi, pardon. Il faut pas que le quartier nous attende. Comment tu dors comme si tu étais chez toi comme ça? Réveille-toi, non. Réveille-toi. Il ne faut pas que mon mari vienne te trouver ici et le quartier va m'entendre. Mais tu dors quoi, non? Oh. Hey. Tu rêves quoi? Gros bras. Bébos. Il faut veiller à ce que la dame ne mette plus pied ici. Hein. À vos ordres, boss. Qu'elle ne vienne pas te donner des injonctions ici. Et après, je viens me retrouver qu'elle est arrivée ici. Parce que j'ai appris qu'elle vient en cachette parfois saluer les enfants. Causer avec les enfants. Puisqu'elle va intoxiquer les enfants. Parce que la ménagère qu'on veut recruter, les enfants commencent à dire que papa, 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 on veut maman. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et ça, c'est bien compris. Très bien compris, boss. Voilà. Sa mère commence à prendre le téléphone, elle m'appelle. Oh, je ne sais pas mon père. Elle savait que je suis son père et elle n'a pas bien éduqué son enfant. Elle m'a même donné rendez-vous. J'ai dit non. Pour le rendez-vous, je ne sais pas encore si je vais accepter ou pas. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent. Hein. Robert, comment le chef bandit l'a pu faire pour se retrouver ici à la maison? Yo, Rapandje, il s'est dissous. Il a fait comme fallait et pour pas épervier. Fa. On tue. Boss, moi, me suis dépassé. J'ai monté la garde toute la journée. Juste comme elle est sortie là, c'est moi qui ouvrais la barrière. Il n'a rien vu, ni entrée, ni sortie. Je suis dépassé. Parce que j'ai contrôlé la caméra. Hein. La caméra est fatiguée. C'est où je ne comprends pas la stratégie qui a été utilisée. Ou s'il s'est envolé avant d'entrer. Moi, j'ai rien compris. Elle est sortie avec la voiture quand elle allait. Oui, boss, c'est avec la voiture qu'elle est sortie. Ça va, je comprends. C'est que le gars est revenu. Quand la voiture est entrée, est-ce que tu as contrôlé l'intérieur? Quand elle est revenue, moi, j'ai voulu regarder dans la voiture. Elle m'a envoyé d'aller acheter des bonbons pour les enfants. Elle a joué sur toi. Elle a joué sur toi. Les femmes sont des stratèges. Elles sont comme des psychologues. Comme Doxenda, la moindre chose comme elle imagine simplement qu'elle peut trouver la faille comme ça. Là. Allez, c'est entré. Oh, merde. Le problème maintenant, c'est les enfants. Hein. C'est les enfants là qui me mettent la pression pour leur maman. C'est ça qui me dérange un peu. Et même la nourriture. Est-ce qu'on peut pas dire, on mange déjà la bonne nourriture encore? Hein? Donc, sois vigilant. À vos ordres, boss. Ok. Donc, tu contrôles tout. Désormais, sois vigilant, je te paye pourquoi. Allez. Je dis que depuis que je suis là, je te regarde, tu me regardes, j'observe la scène, j'attends que tu parles, tu es là dans ton téléphone, tu WhatsApp, machin, tout ça. Moi, j'aimerais te comprendre, quand tu portes des sacs là, qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que c'est moi que tu parles? Non, mais est-ce qu'il y a un quartier ici? Quand tu vois les sacs, il n'y a plus rien à expliquer, mon chéri. Tu sais dans quelle situation, je ne sais pas si je vais dire, tu m'as... En fait, je ne sais pas le terme que je vais utiliser, mais tu connais ce qui s'est passé à Douala. Donc, comme je suis venue là, c'est pour rester en attendant que je trouve une situation stable dans mon foyer. Attends, dis-moi, quand je vois avec le sac, tu me dis je vais tout comprendre. Et la première chose que j'aimerais savoir, tu es venue avec la voiture ou bien tu es venue à pied? Tu parles de quelle voiture? Mon mari a tout récupéré. Donc, dans ta tête, tu penses que tu dois séjourner ici. Donc, comme tu es parti de Douala tranquille, tu portes le sac.
Tu viens toi ici t'installer. Ah non, écoute, tu sais, si ton foyer dangine, il faut savoir que même pour nous aussi dangine. Dans ces affaires-là, plus tu es dans un bon mariage, plus tu es attractif, nous on a de l'appétit pour toi. C'est-à-dire, on ressent un certain goût. Mais quand tu sors du foyer là, tu serais un peu comme... On peut comme ça, tu es SDF, hein. C'est-à-dire sans domicile fixe. Et là, quand tu es dans une situation pareille, pour te dire vrai, ça ne nous avantage pas. À l'heure où je te parle, il est impossible pour moi de retourner chez mon mari. Parce que là-bas, ça chauffe. En attendant que ça se calme, non, je vais d'abord rester ici. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande plus rien d'autre. Pour tout ce que j'ai déjà fait pour toi. Grand-mère, pour te dire vrai, je pense que tu ferais mieux de retourner et essayer d'arranger ton mariage tel que ça doit être. Parce que si tu comptes que tu vas venir vivre ici, moi, je préfère te dire la vérité. Où je suis d'abord là, je dois le bailleur. Et quand il te parle de droit, le bailleur, c'est les affaires de 8 mois. Le gars de l'eau, alors n'en parlons plus. Il ne m'a jamais vu depuis que je suis entré ici. Donc, si tu penses que tu dois porter les situations de ton mari là-bas pour venir déposer ici chez moi à Yaoundé, en toute honnêteté, je dis bien ceci, en toute honnêteté, vrai, ça ne vaut pas la peine. Joseph, tu me dis que tu dois 8 mois de loyer. Tout l'argent que je t'envoyais, tu faisais quoi de ça? Dans notre métier, la plupart du temps, il faut qu'on soit beau, élégant, mannequin, mignon. Attends, vrai, tu penses à chaque fois quand tu me vois sur tout présentable, là, c'est dû à quoi? Sans compter l'énergie que je dépense. L'alimentation coûte cher et tout. Vraiment, moi, je veux pas que tu me parles des choses comme ça. D'ailleurs, même, je t'ai dit, rentre arranger ton foyer là-bas. Parce que là-bas, tu es 10 000 fois plus mieux. Et plus tu es mieux là-bas, même ici, tu es mieux. C'est vraiment dans les mauvais moments qu'on connaît qui est avec soi. Moi, je vais te dire une chose. Ça risque de te faire rire, mais il faut savoir si c'est la vérité. Quand moi-même, je rencontre les gens dehors, je dis moi qui vis ici, quand ils rencontrent les gens dehors, je leur dis qu'ils n'ont pas où aller. Qu'ils ne connaissent pas où ils vont partir. Donc si toi, tu dis aussi que tu n'as pas où aller, parce que tu comptes venir ici, sache que nous deux, on n'a pas où aller. Mais comme ici, il est parvenu à mettre ma tête, hein, bêta, je suis seul. Moi, je te conseille d'aller gérer ton foyer là-bas. La seule bonne chose que je peux faire pour toi maintenant, c'est te demander de partir sans brutalité. Quand je pense à la façon dont tu m'as traité à Douala, en présence de ton mari, devant qui j'étais un bandit, sans compter les deux gros bras qui pour toi devaient m'exterminer à la première occasion. Toi, à ma place, un homme qui m'a épousé, il m'a doté, il a tout fait pour moi. Il vient me trouver dans ce genre dans ce genre de cas-là. Toi, à ma place, tu allais agir comment? Tu allais dire quoi? Que je suis ta go ou juste ta femme ou quoi? Il y a des petits gestes que tu aurais pu faire, ça nous sauve. Quand il a dit qu'on reproduise ce qu'on avait eu à faire, si tu permettais, peut-être il aurait compris. Bref, je respecte trop ta beauté, je respecte le fait que tu sois sexy. Et c'est la raison pour laquelle je vais respecter ton corps en te faisant sortir sans cicatrice, sans brutalité. Parce que j'ai encore les traces des bonnes choses que tu as eu à me faire. Mais le geste de doigt là, ce n'est pas un geste qui doit rester impuni. Donc ma grande, ma copine, mon ex, si tu veux, va arranger ton foyer. Normalement, tu dois t'estimer heureux. Normalement, on ne t'a rien fait. Juste des petits bobos. Si on te tuait, tu allais dire quoi? Ouais, va arranger ton... So, get out. Oh non, j'étais sur le fait accompli. Je ne savais pas quoi dire à mon mari, pardon. Moi-même, je suis sur le fait accompli. Et je ne sais pas quoi te dire en dehors de sort. Tu ne peux pas rester ici. Ouais, oh. Sors. Tu me disais souvent que tu pouvais déplacer les montagnes pour moi. Aujourd'hui, tu me mets... Maintenant, c'est toi la montagne. Je déplace tout ton bien. Sors. Prends. Partout. Tu arrives, tu les salues. Go, pars. Attends quoi? Go. Voilà. Merde. Pense donc quoi? Oh, putain. Pensez que c'est facile, hein? Venir ici empêcher mes gogoïs pour revenir. Je pense qu'elle est seule. Combien de filles entrent ici?
Asseyez-vous. Papa. Bonjour, ça va? Ça va, monsieur, ça va. Tu veux être ménagère? Oui, monsieur. Je sais tout faire. Le ménage, la vaisselle. Et je fais le bon tarot. Même de vous-même, je peux m'en occuper. De moi, tu peux t'en occuper? Bon, je dis, ma mère, avant ici, toi, Ria, quelles sont tes expériences? Tu as quel CV? Tu as travaillé chez qui? Monsieur, je n'ai pas encore travaillé ailleurs, mais j'apprends vite. Ok. Je dis à ma mère, en venant, frère, tu étais obligé de t'habiller comme ça. Déjà, je ne sais même pas qui tu es, d'où tu sors, comment ça se passe. Tu sais, monsieur, dans la vie, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Hein. Bon, parce que mon travail consistait à faire le ménage, nettoyer la maison, contrôler les enfants quand ils rentrent à l'école. Et voilà, c'est tout. Voilà la maison comme vous voyez là. Mais, compte tenu de votre catégorie, ça me fait que je pense que vraiment, au lieu de ménager, je te préfère ailleurs. J'aurais dû te préférer ailleurs que ménager. Parce qu'une femme comme toi, une jeune fille comme toi, bio comme ça, tu ne mérites pas d'être ménagère. Tu ne mérites pas. Bon, ce qu'on va faire, pour voir d'abord l'affaire de ménage là, laissons ça, on va voir ça après. Ce qu'on va faire, c'est que... Tiens. Monsieur, je voulais vraiment faire le ménage. Je veux vraiment travailler. Non, je comprends ta qualité de ménage, ma mère. Si tu ne mérites pas venir ici, à la maison, mon bouleversement, non. C'est parce que vous insistez, sinon... Je voulais vraiment travailler. Prends mon numéro. Dans 2 heures de temps, on se retrouve en ville. Laisse les problèmes de ménage, c'est pas à ton niveau. Quand je te vois, tu n'es pas... Même si je t'amène ici, c'est pour avoir le palu avec mes enfants. Hey, monsieur. Voilà. Tu m'appelles dans 2 heures de temps. Bon, bye bye. Ok, monsieur. Tu m'appelles, hein? Ok, monsieur. Bonne journée. D'accord. Maman! Merde. Je ne pas nier. Dis qu'elle vient faire le ménage. Ça, c'est les gens, les filles de dehors. Tu acceptes les gens là dans ta maison. Tu es foutu. Tu es foutu. Elle peut faire même tes enfants. Tout le monde commence à te calquer que tu as fait du n'importe quoi dans la maison. Elles connaissent comment elles s'habillent pour venir chercher le travail. Pas le travail ici. Mais avec dehors. On va gérer les gens là que dehors. Pas avec mes enfants. Okay. Ça me chatouille. Ça faisait se sauter même. Tu me chatouilles. Tu es en train de comme un villageois. Ah, tu me chatouilles. Mais... Ouais. Je suis très inquiet. Même pour Wunda, je suis avec toi comme ça, ça me plaît bien. Mais quand je pense à mes enfants, comment ça va se passer prochainement, comme j'ai mis ma dame dehors là. Voilà, ça me perturbe un peu beaucoup. Hein? Il y a un déséquilibre familial qui est en train de s'installer. Les enfants, tout ça, la bonne nourriture. Si c'est pas quand je viens ici comme ça là. Parfois, avant que je vois le pilier que tu prépares pour me donner. Bon, c'est que je souffre. Pas seulement au restaurant où je mange. C'est que Madame Ndjinko, je sens ça sur moi. B. Hein? Tu sais que je suis ton pou. Bien sûr. Je sais pas pourquoi tu veux pas officialiser les choses avec moi, Karaman. Non, bébé. Tu sais que maintenant, c'est tôt. Ça risque d'être flagrant. Si je tente de faire quelque chose maintenant, tout le monde, même au quartier, toute la famille, tout ce que certaines personnes savent que maintenant, mon bon pour. C'est pas bon qu'il y ait action, réaction. Les gens vont directement croire que peut-être c'est même toi qui est à l'origine de tout ça. Donc il faut un peu. Bah, Colombo, là, ne boisse. Il faut un peu aller tout doucement. Ça va venir. Monsieur, regarde. Hein? Moi, j'ai eu l'occasion qu'elle est partie. Donc, c'est l'occasion pour moi de venir m'installer et m'occuper de tes enfants. Oui, je sais.
Tu vas le faire. Mais donnons-nous un peu du temps. Donnons-nous un peu du temps. Les enfants, c'est vrai que tu m'as demandé de commencer à venir ici avec les enfants de temps en temps. Les enfants te remarquent déjà, c'est pas mauvais. Quand ils me demandent que tu es qui, je dis que tu es une tantine. Que je vais les expliquer après. C'est bien, bien. Tu sais qu'avec les enfants, on ne brutalise pas les choses. Si tu brutalises, parce que même leur maman fait tout moyen pour venir là-bas toujours exiger, les enfants me perturbent. Bon, comme Sunda, à chaque reprise, papa, on veut voir maman. Après, l'autre fait même les palus. Quand je ne suis pas là, elle vient par derrière saluer les enfants, voir les enfants. Ça m'embête. Tu vois, alors, non. Ça veut dire que ce n'est pas bien. Parce que, regarde, le parti, c'est le parti. Tu comprends un peu. Si elle est partie, c'est parti pour de bon. Oui, je comprends. Mais tu sais qu'on a les liens, non? Je refuse pas, les liens sont les enfants, non? Voilà. Mais par contre, regarde, si tu laisses qu'elle vienne toujours visiter les enfants, elle va endoctriner les enfants. Et en fait, ça va faire en sorte que toi et moi, on va pas bien se souder. Alors moi, j'aurais préféré que moi, tu me dis, je porte mes choses, toi et moi, on pas ensemble. Chérie, moi, je peux plus supporter. Ouais, la fichée. Quand vous pensez seulement à quelque chose qui est un intérêt personnel pour vous, vous ne pensez même plus aussi au candidat. Tu ne penses même pas aussi que tu peux me brutaliser comme ça là pour nos joies. On me tue comme ça là. C'est mes enfants qui vont perdre. Mais on ne peut pas te tuer. Le temps que j'ai attendu quand tu étais avec elle là et le temps de maintenant, papa, c'est l'occasion pour moi. Regarde, moi aussi je t'aime. Si je ne t'aimais pas, tu ne devais jamais venir être avec moi, non. Regarde là où je reste, Kalaga. Regarde là où toi tu as vécu avec ta femme. Elle est partie. Elle est partie. Toi, comme tu m'aimes, non. On s'aime. Moi-même, je t'aime jusqu'à ce n'est même plus bon. Tes enfants, là, et papa, ce n'est même pas un problème d'éducation. Moi, je vais donner la bonne éducation à tes enfants. Tu es venu, sinon je t'ai insulté. Non. Je suis noire, elle était brune, non. Tu vois que c'est la différence, non. Je comprends. Chez les blancs et chez les noirs, c'est deux choses différentes. Différentes. Les noirs sont toujours forts que les. Que les blancs. Papa, je peux supporter. Papa, oui. Fais quelque chose, chérie, pardon. Ouais, quand tu fais comme ça, là, tu me mets sous pression. Oh, rende, entièrement, remonte, ça me plaît bien d'être avec toi. C'est pas que ça me plaît pas d'être avec toi. Hein. Ça me plaît. Mais quand tu me fais comme ça, là, c'est des choses qu'elle ne me faisait pas. Elle était tellement en train de me gronder fort. Moi, le truc, elle criait sur moi comme si c'était le lion. Mais tu ne m'as pas gronder. Yumba, on a mon boisse, tu me touches, ça me plaît. C'est parce qu'elle ne connaissait pas ta valeur, mon amour. N'est-ce pas? Elle ne connaissait pas ta valeur. Quand je prends sur moi ta casquette, tu mets sur moi comme ça. Toi et moi, c'est la même chose. Bébé, ouais. Quand il te touche déjà comme ça, mon cœur fait seulement que je veux me coucher sur ton lit, Je sais que je ne connais même pas la dimension de ton lit, même les travées, je ne sais même pas comment tu as même fait ça. Non, c'est 2,60. C'est 2,60. Ah bon? Oui, 2,60. Avec les matelas, les un genre comme ça, là, quand on se couche sur ça, ça va te faire un peu comme si on était sur la plage. Et c'est le genre là que tu veux qu'il rate. Ben. Coucou. Où tu dis la vérité, hein? Sa famille a promis de venir me voir. S'ils mettent les pieds à la maison, je fais tout. Tout pour les barrer. Tu comprends, non? Je fais tout pour les barrer. Comme ça, je vais tout faire. Pour prouver sa culpabilité. Que ce qu'elle a fait est dangereux. Et que ça n'entre pas dans nos mœurs au village. Parce que si je recommence, le quartier va se moquer de moi. Parce qu'elle est venue sur le lit conjugal. Comme ça, après ça, au moins, non? Manga avec tout moyen de. Je dis que. Vraiment, ces choses ont pas. Il y a d'abord ce que tu avais mal fait au départ. Comment tu peux voir une fille qui est brune, qui a les poils ici là? Toi, tu es noir, tu as ta paille. Ce n'est pas la même fabrication. Les noirs restent avec les noirs et les blancs restent avec les blancs. Chérie, je ne sais pas là où tu es parti chercher ta paille de ska. Ça, c'est le scandale même. Et tu as vu, tous tes enfants sont même noirs. Oui, peut-être que tu peux voir comme ça quand même parmi mes enfants là. Il y a même ce. Mais yo, je suis en même, c'est l'huile. Tu veux voir sa vraie nature. Tu peux voir la vraie nature d'elle sur son frère. Tu vois son petit frère, tu vas comprendre. Oui, tu vas comprendre que parfois c'est l'huile que les femmes les mettent. Mais ça les métamorphose comme ça, tout quand on pense qu'elle est brune. C'est comme ça. Merde! Il y a un truc. À l'époque, je croyais que le soleil qui brise là, non, quand ça te touche le corps, là, ça te rend seulement genre. Mais depuis que les blancs sont sortis avec l'histoire de lait, que ça te sort même. Il y avait ta femme là un jour à la boutique, elle voulait pas seulement parler parce qu'elle sortait avec toi. Le respect qu'elle te donnait, ici c'était un noir comme ça. Mais bon, c'est pas parce qu'elle est à partir que tu parles mal. Tu sais, non, après tout, c'est la mère des enfants. Après tout, on a un petit cœur. Mais j'ai compris quelque chose. Celui qui épouse une femme brune. Avec les cheveux ici, il n'est pas différent de quelqu'un qui a semé son maïs en bordure de route. Il n'est pas différent. Parce que le maïs qui est semé en bordure de route, chacun passe, il va. Chacun veut casser au moins un épi pour partir avec.
Tu sais qu'elle avait vu la maison, elle a vu la voiture, elle a cru qu'elle était bien. Bébé, pardon, elle a vu tout ça, elle a cru que nous, elle était en bon voyage. Moi aussi, le tour, c'est maintenant moi qui dois être choco sexisée. La femme non, ça de Kalakai! Wamba! Wamba! Iki! Wamba! Ouais, elle va seulement partir. Tu vois, mon cœur commence à bas, regarde. Elle va partir. Mais t'as dit, tu comprends comment ça bat ici, là. Non, elle va partir. Ça fait seulement que tu... Elle va partir. Yonga! Pourquoi elle va partir? Tu as préparé quoi? J'ai fait le cul. Ah, toi aussi. J'aime le cuit avec le complément. Fais le cuit avec le complément. S'il y a le complément sur ça, les légumes, tu apportes. Tu sais que depuis que tu as le problème, tu ne rationnes plus sinon. Ouais, bébé. La fois passée, toi, dit que tu as voyagé, je t'avais donné le budget du mois. Tu m'as encore dit que oh, ton oncle a fait ci, ton oncle. Vous, les femmes, finalement, vous avez même que les mêmes problèmes. En tout cas, vas-y, va me trouver quelque chose. Le cuit, c'est la nourriture traditionnelle. Moi, j'aime le cuit. Reprends tes choses, papa. Okay. Tout à l'heure, coucou. D'accord.